Ça fait longtemps qu'on est 31, donc on va pouvoir commencer. Parfait. Du coup, ce soir, on va laisser Vivien présenter son projet en fait, qui a donné lieu à cette conférence. En fait, c'est grâce à lui sur un petit débat de LinkedIn qui a pu nous permettre de le prendre en conférence Eden. Et du coup, je vais te laisser la parole, Vivien. Merci. Bonjour à tous. Je vois qu'en plus, il y en a même partout qui sont de France, parce que je vois trois aussi qui viennent d'arriver. Il y en a qui sont à Bonnac-la-Côte même, enfin, c'est fou. Donc du coup, merci déjà. C'est vrai qu'on a eu ce petit échange sur LinkedIn qui m'avait un peu titillé, parce que donc étant en télétravail depuis le 1er septembre avec toute l'équipe, on a un peu bossé sur des trucs et là on était à fond sur Tailwind. Et donc quand j'ai vu ces petits trucs sur Tailwind, je me suis dit, attends, nous on trouve ça exceptionnel, pourquoi tout le monde ne trouve pas ça exceptionnel? Et donc du coup c'est là qu'on a eu nos petits échanges, comme je disais, sur LinkedIn. Donc pour faire rapide, nous donc avec Eden, Cyril, Alexis et Vincent, on est Tridee. Donc Tridee, à l'origine, c'est une agence de voyage en ligne spécialisée dans ce qu'on appelle le self-connecting. Donc c'est-à-dire qu'on mixe des compagnies aériennes pour faire des trajets plus facilement. Donc comme vous en doutez, on s'est pris la crise en pleine gueule. Ça nous a bien fait mal. On en a bien souffert. Et là, on était en train de travailler sur l'ajout de tout ce qui était bus, train, ce genre de choses-là. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a vu qu'on intégrait les choses, au fur et à mesure, en fait, les choses qu'on intégrait disparaissaient. Parce que typiquement, on a intégré le bus. Une semaine plus tard, le bus s'arrête dans toute la France jusqu'à février. Donc, ce n'était pas ultra plaisant. Et puis, ça faisait déjà depuis septembre qu'on discutait un petit peu d'une nouvelle version de Tridee et aussi, pourquoi pas, de Side Project. On n'avait pas d'idée vraiment qui ressortait. Puis, une fois, truc tout bête, mais je me dis, comment je vais faire pour récupérer ça? Parce que télétravail, c'est sympa. Le soir, tu vois personne, tu vois que la famille et autres, tu sors jamais. Et tu peux pas boire une bière. Et je me suis dit, tiens, je vais contacter la cave à bière, on va dire, dans laquelle j'ai mes habitudes, donc Orge Houblon à Limoges. Et il me dit, oui, j'ai un fichier Google Sheet où tu peux voir un peu ce que j'ai avec le stock en non-temps réel, du coup. Enfin, voilà, je trouvais que le truc n'était pas super simple. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut te proposer quelque chose, de faire un site, pourquoi pas. Et en fait, il s'avérait qu'au fur et à mesure de la discussion, qui a duré peut-être bien une demi-heure, on a commencé à dessiner en fait le début de Web2Store. Et donc, ce qui est arrivé à la fin, c'est que Web2Store, c'est donc une plateforme SaaS qui permet à n'importe quel commerçant de créer sa boutique de click and collect ou de click and drop en moins de 15 minutes. Donc, avec un système de paiement sécurisé via Stripe et l'import de ses produits. Là où on s'est amusé, c'est que l'import typiquement des bières est connecté à une base de données mondiale qui fait qu'à partir du moment où le gars commence tout juste à taper, par exemple, Punk I, et ça va lui mettre Punk IPA, autocomplétion avec toute la fiche, la brasserie et tout ce qui va avec. Donc voilà, lui a créé sa plateforme en moins de 20 minutes avec tous les produits qu'il voulait. Et on s'est dit, on va commencer à ouvrir le produit. Donc là, on commence tout juste à ouvrir le truc. Pour la partie techno, rapidement, avant de laisser la place à Eden, on a voulu tester en fait sur ce side project des technologies qu'on avait shortlistées déjà sur la version 2 de Tridee, donc qui était censée arriver en début d'année prochaine, mais qui est un tout petit peu repoussée du coup au vu de Web2Store. Donc du coup, les technos sur lesquels on est parti, on était déjà sur Django pour Tridee. Mais Django qui faisait tout le templating et autres, là on part plutôt sur du Django en back, vraiment avec Django REST Framework qui est pour l'API. Et en front, j'ai laissé Eden en fait qui nous a rejoint pendant la suite du premier confinement. Je l'ai laissé en fait un peu en roue libre, on va dire, de choisir ce qu'il voulait comme techno. Et lui qui était un peu passionné, on va dire, de React, est parti sur du React, Tailwind et Next.js. Voilà un petit peu du coup où on en est arrivé.
Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Web2 Store, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires par mois, à peu près. Non, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser Eden, du coup, si, ou sauf si quelqu'un veut une petite question ou autre, je ne sais pas comment vous avez l'habitude. C'est ouvert. Si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. La vôtre. Du coup, si je veux commander une bière, je peux aller commander sur Web2 Store une bière. Ouais, alors c'est orge-et-houblon. Alors attends, je vais mettre le lien dans le Yes. commentaire. Et houblon, Limoges. Et en plus, oui, du coup, on s'est pas mal amusé sur Web2 Store. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui était sécurité, tout ce qui était optimisation, gestion de cache et autres. Ce qui fait qu'on a un site qui est super bien noté d'un point de vue Lighthouse. Enfin, super bien noté, qui est très bien noté comme sur Lighthouse. Ce n'est pas non plus exceptionnel, mais c'est très bien noté. Et pareil d'un point de vue sécurité, gestion des security headers et ce genre de choses-là. On s'est un peu amusé en temps de crise, quoi, comme on peut. Voilà, n'hésitez pas à passer commande. Hein, j'ai des notifications quand il y a une commande. Donc, s'il n'y a pas de notification, je coupe le live. Eden, t'es Alors, prêt? juste avant, Aiden, une petite question. Du coup, le temps de la discussion avec ton magasin Orge et Houblon et le temps avec toi et l'équipe de mettre ça en place, ça a pris combien de temps au total? Ça a pris pas mal de temps Le parce que ça a suivi. pris 14 jours. En 14 jours, on avait lancé le produit. Et en fait, sur ces 14 jours, alors c'est vraiment véritablement 14 jours parce qu'avec Eden, on bossait quand même le dimanche et le samedi aussi. Donc il faut savoir qu'on a tous les deux une famille avec des enfants en bas âge. Donc c'était assez touchy. Et nos journées en semaine commençaient le matin à 8h30 et dans certains cas se finissaient à 3h du matin. Donc il y a un moment où j'avais l'impression quand même de vivre plus avec Eden qu'avec ma femme et mes enfants. Vous Mais couchez pas voilà. ensemble? Mais non, ben non, télétravail, et puis bon, tu sais, avec la pandémie, on peut, sinon on l'aurait fait. Faut Mais à l'avantage qu'on a réussi à sortir un produit très rapidement, fonctionnel, et qui a pu transformer, enfin, pas le premier jour, le deuxième jour, hein, parce qu'on l'avait lancé tard le soir. Ok. C'est assez plaisant. Ah ouais, tu m'étonnes. Reste, mais plaisant. Tu sais si Orge Houblon il livre jusqu'à Lille? Non, il ne livre pas jusqu'à Lille, il fait du click and collect et du click and drop parce qu'il livre en centre-ville de Limoges. Mais on est en train de réfléchir à tout ce qui est livraison à vélo, donc sans Ok. passer par Uber Eats et ce genre de choses-là, mais vraiment sur un truc à part. Et de la livraison colis aussi, colis postal. Ce qui permettrait du coup aux personnes qui font des trucs, comme on dit à la main, la handcraft, de pouvoir envoyer un peu partout en France, quoi. D'accord. Cool. Il y a plein de possibilités, plein de trucs à faire, c'est cool. On s'amuse bien. Mieux que le travail. Ça marche. Et du coup, on va laisser la parole à ton collègue. Ouais. Bonsoir. Vous m'excuserez, je ne vais pas mettre la caméra parce que j'ai une connexion un peu faible, comme je suis à la campagne. Donc, D'accord. que la voix, si ça vous Ouais, pas de va. souci. J'ai quelques slides à vous montrer. Je peux partager mon écran? Vas-y. Ça le fait. Alors. Attendez, j'ai mon Mac qui me donne des trucs. Tu vas peut-être devoir redémarrer Zoom si c'est sur Mac, il faut Exactement. enlever. Donc, je vous dis à tout de suite. Ok, ça marche. Juste sinon pour faire un petit truc vite fait pour dire. Alors nous, on n'est pas du tout calé PHP. Pour nous, l'AFUP, c'est l'Association française des utilisateurs de Python. C'est vrai qu'on a toujours tout fait en Python. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait que deux langages, hein, on va dire le C. Et enfin, c'est vraiment bas niveau et Python toujours bas niveau parce que je viens à l'origine d'un domaine qui n'a rien à voir avec le web. Je suis dans la sécurité informatique, tout ce qui était paiement sans contact, enfin voilà, et tout ce qui était smart card. Je crachais sur ceux qui faisaient du web
et maintenant j'en fais. Voilà. C'est parfait. J'ai beaucoup craché contre ceux qui faisaient du PHP, donc peut-être que je finirai à faire du PHP un jour. On sait jamais. C'est jamais. J'ai début à tout. Damien en Segui, tu pourras nous faire des serpents en... Ouais, ouais. Alors, Aiden, est-ce qu'il est revenu? Il est revenu, Aiden. J'ai pas vu les annonces du gouvernement, mais je pense que les deux ou trois prochaines meet-up à FUP se feront toujours online à première vue. Donc normalement, on a un petit sujet au mois de février et peut-être un autre au mois de janvier. On vous tease vite fait. Yeah. Février, c'est troisième vague, c'est ça, hein, je crois. C'est ça. Tu vas nous sortir une nouvelle, un nouveau portail innovant pour février? Ouais. On a un autre site. Commander ses kits de survie directement. Je crois qu'il est de retour, Aiden. Je vois dans la liste. Ouais. Ah. Bulpin. Alors, j'essaye de l'accrocher. Alors. Alors, c'est bon. Oh. Vous voyez ce qu'il faut? Yes. Ouais, c'est parfait. Ouais. Impeccable, super. Bien. Bon, alors, donc, on m'a demandé de vous parler de Tailwind CSS après une expérience avec Web2Store sur deux semaines très intenses et même. On travaille toujours avec, donc pas que. Et donc, là, petite présentation de qui je suis. Donc, je m'appelle Eden, je suis développeur web depuis 2013. Je suis d'origine britannique, donc s'il y a des fautes dans ce que je dis, c'est normal. et puis, bah, moi, je suis passionné par tout ce qui est JavaScript, React et CSS, dont Tailwind CSS. Voilà. Donc, Vivien nous a présenté Web2Store rapidement, mais juste pour faire un petit topo, donc il nous a fallu quand même construire une plateforme e-commerce en deux semaines. Bon, en tout cas, le but c'était de le faire le plus tôt possible, mais en final c'était deux semaines, d'où les longues journées et les week-ends très très courtes. Donc on avait quelques buts pour ce projet, c'était que ce soit développé rapidement, mais que aussi ce soit quelque chose de qualité, parce que il faut quand même que les commerçants puissent rajouter leurs produits et que bah, les clients puissent payer correctement sans trop de soucis. Mais aussi que ce soit très performant et une application moderne. Parce que bon, je pense qu'on a tous suffisamment marre de travailler avec IE11 et Netscape et toutes ces choses-là. Et petite astuce pour Web2Store, on a aussi investi dans une bibliothèque de composants qui s'appelle Tailwind UI, qui est créé par les créateurs de Tailwind CSS. Et on pourrait comparer ça à des composants un peu comme Bootstrap, mais en plus évolués. C'est-à-dire, on va nous fournir des templates de pages d'accueil, de pages de settings, par exemple. Ce projet a deux facettes. D'abord, il y a la partie SaaS, donc, où le client va pouvoir s'inscrire, connecter son compte, uploader ses produits, etc. Donc, avec une partie loguée. On a quand même dû prendre en compte des statistiques pour afficher au client, qu'il puisse bah, gérer ses commandes, évidemment. Qui a commandé quoi, où sont-ils, est-ce qu'ils vont venir chercher, etc. La gestion des produits. Qu'il puisse aussi customiser son site client, qu'on verra juste après. Parce que si tous les commerçants ils ont les mêmes sites, bah, ce n'est pas très intéressant pour se démarquer. Et aussi une connexion à Stripe pour tout ce qui est paiement sécurisé, parce que bon, personne ne veut gérer ça.
Alors, pour tout ce qui est site client, donc là, vous voyez notre premier client, Ange Blanc Limoges, qui, l'architecte graphique, c'était le jaune, donc on est parti sur le jaune. Et chaque site client est composé de plusieurs pages, donc la page d'accueil qui va lister les produits, les derniers produits et un produit phare. Il y a aussi une recherche de produits, donc avec quelques filtres par plus ancien, plus récent, moins cher, etc. On peut aussi voir le détail d'un produit qui va, dans le cadre d'une brasserie, qui va nous montrer le taux d'alcool, par exemple, ou quelle brasserie a fabriqué la bière. Toute une gestion de panier côté client, qui n'est pas gérée par Stripe, je précise, c'est que de notre côté, avec l'API en Django. Et puis, tout ce qui est tunnel de paiement, dont donc avec Stripe, pour le coup. Et donc, pour vous montrer tout ça, je me suis dit que ce serait plus sympa de voir Tailwind en vrai, plutôt que de voir des slides. Donc, ils ont construit un outil qui s'appelle Play Tailwind CSS, ou Tailwind Play, pour le coup. Je vous invite à tester, enfin, si vous voulez tester Tailwind, c'est vraiment le top. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire de config, comme ce qui a été évoqué dans ce fameux post de blog qui a lancé la polémique. Dans cet outil, on a l'HTML, donc le DOM qu'on va avoir ici avec toutes les classes CSS, le fichier CSS de base qu'on peut avoir dans un projet, typiquement pour Web2Store, ça c'est notre fichier CSS. Il n'y a rien de plus. Et ensuite, la partie config, qui est un objet JavaScript qui est exporté avec les options. Donc ici, par défaut, ils ont rajouté deux couleurs, le couleur bleu clair et le cyan. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste enlever tout ça. Faire un petit modif ici. On s'en fout de l'inventaire. Ça, on a juste les styles de page pour avoir un petit bouton en milieu. Vous pouvez voir, les styles de base ne sont pas appliqués. C'est parce que dans Tailwind, dans la boîte, il y a un reset. Donc, c'est-à-dire, tous les margins, les styles et les paddings par défaut sont enlevés. Donc ici, si j'ai mon bouton, bah, c'est juste une boîte transparente avec les styles de base de Tailwind. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer à... Oups, merci, doc. Si on veut commencer à... Je reviens un peu là-dessus. Et OK, on va avoir un bouton qui est rouge avec un padding horizontal de 4, vertical de 2, border radius pour avoir des coins arrondis, un petit shadow, on va dire un petit texte blanc, et déjà c'est pas mal pour un petit bouton comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, Tailwind, c'est utility first. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de taper dans notre fichier CSS, pour un bouton avec les accolades et les propriétés, on va appliquer directement chaque classe ici qui va avoir une propriété différente. C'est-à-dire, ici, on a le background color, oops, le padding. Donc, on peut voir les valeurs appliquées. Le padding sur l'axe horizontal, padding vertical, les border radius, le box shadow et la couleur du texte. Donc, ça c'est bien, mais après, souvent la question c'est bah, ok, ben, moi je passe la souris sur le bouton, mais ben, j'ai pas les styles, quoi, je voudrais que ça fasse quelque chose. Donc, ce qu'on peut faire par exemple, c'est on peut avoir un petit hover quelque chose de plus foncé par exemple. C'est chouette. Mais pareil, je voudrais que ce soit peut-être animé ou avec des transitions, parce que bon, pas tout le monde veut un petit bouton un peu vulgaire. Donc, du coup, on peut dire transition. On va appliquer la transition de base. Et ça va appliquer une petite transition, un petit effet de fade sur le couleur. Et de même, je peux dire, bah, je voudrais que quand je passe la souris, bah, peut-être que je voudrais que mon bouton il soit un peu plus grand.
On fait un petit scale. Ça. Et ensuite, je vais juste dire que c'est transformé. Et on va voir le bouton qui va se transformer avec une petite animation de base. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est ce qu'on appelle les variantes en Tailwind. Donc là, il y en a pour le hover, mais je peux aussi en avoir pour le focus, par exemple. Donc là, quand je vais focus mon bouton, il y a un bordure un peu moche, quoi. Enfin, c'est la bordure de base. Et ce qu'on peut faire, c'est enlever cette bordure et dire que lorsque je suis sur mon bouton focus, rajouter un anneau autour qui va avoir... autour qui va surligner ce bouton pour des raisons d'accessibilité qui est souvent oublié d'ailleurs quand on fait les choses à la main parce que personne ne sait trop comment s'en occuper correctement. Moi inclus, je ne vous le cache pas, c'était l'une qui va tout faire pour moi. Donc ici, normalement, on va avoir un petit anneau autour qui est foncé, plus foncé que le bouton. Voilà. Un truc aussi qui est sympa avec Tailwind, c'est que par défaut, ça va être mobile first. C'est-à-dire que tous ces styles que j'ai appliqués vont s'appliquer à partir du mobile. Et ensuite, en fonction de la taille de l'écran, on va monter dans les spécificités. Par exemple, ici, je veux dire que sur un écran de taille large, je veux que mon bouton... Voilà. Donc là, je suis sur sur un écran large. Donc si j'enlève ça... Alors, les positionnements changent aussi. Mais voilà. Donc, par défaut, on est sur du rouge comme indiqué au début. Et lorsqu'on dépasse le breakpoint large, on est sur du vert. Mais du coup, attention, parce que si on passe par-dessus, on va avoir les effets de transition qu'on avait définis pour un élément mobile. Donc, si on voudrait que notre bouton soit vert sur hover, sur écran large, il faudra aussi rajouter ces classes. Donc, autant vous dire que ça commence à rajouter des classes. Oups. Du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça, c'est toutes les classes de base de Tailwind. Mais après, pas tout le monde voudrait que leur site ressemble à un site de Tailwind, quoi. C'est un peu comme Bootstrap à l'époque. Quelqu'un met Bootstrap sur leur site, bah, tous les sites se ressemblent. Donc du coup, c'est pas terrible. Ce qu'on peut faire dans Tailwind, c'est aussi rajouter ses propres couleurs. Donc ici, par exemple, si je voudrais mettre, je sais pas... une couleur badass, je peux bien ça en config et ici au lieu d'avoir un background rouge, je peux dire ça va mettre la couleur badass, par exemple. Après ça c'est comment dire, ça c'est le côté le plus intéressant de Tailwind, mais que j'avoue qu'on n'a pas appliqué pour Web2Store pour avancer plus vite. Mais il est possible de complètement changer les valeurs de Tailwind par défaut pour avoir nos couleurs, nos tailles de police, nos breakpoints par rapport aux tailles d'écran, etc. Pour avoir vraiment quelque chose de customisé. Et au final, ça vient même d'être une API pour design system. C'est-à-dire si un designer va venir vers moi et qu'il veut ses couleurs avec ses styles et ses polices, ben, je vais pouvoir les appliquer uniquement dans cet objet JavaScript. Et du coup, tous les valeurs vont être passées dans les classes. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que j'ai dû tout faire moi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas comme Bootstrap, encore en comparaison, où je ne vais pas appliquer, par exemple, ici. Hop. Si je veux appliquer ici une classe UN, ça ne fait rien. Parce que bah, ça n'existe pas dans Tailwind, ce n'est pas quelque chose qui existe. Mais si on veut appliquer ce genre de comportement, on peut dire ici, button, ce qu'on appelle un apply, où on va pouvoir mettre les classes Tailwind, mais du coup, c'est presque comme si je les concaténais pour faire quelque chose autre, pour faire une classe par an. Quoi. Voilà. Donc si je veux faire encore du rouge, ma classe button, btn, si ça vient charger, et voilà. Du coup, là, j'ai ma classe btn qui va appliquer le style background red, ou si je préfère du case, par exemple. Non. Si je ne me suis pas trompé de
Non, c'est bon. Voilà, par exemple. Donc là, si je veux, je peux faire une classe BTN avec toutes ces classes ici pour éviter d'avoir du bazar, on va dire, dans mon DOM. Mais ce n'est pas conseillé. Enfin, le créateur de Tailwind, c'est uniquement pour appâter les utilisateurs qui sont un peu méfiants de cette approche. Mais du coup, en créant des classes ainsi, on va gonfler le CSS parce qu'on va rajouter des classes qui sont déjà dans le feuille de style. Voilà. Et aussi, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de JavaScript. C'est vraiment que... Enfin, le seul JavaScript qui est là, c'est dans le config. Mais une fois que le config est fait, en DOM, il n'y a pas de JavaScript. Je ne peux pas... Je ne sais pas, il n'y a pas d'attribut spécial ou quoi que ce soit pour faire des choses de manière interactive. Tout est fait avec les classes variantes. Donc, focus de point, over de point, active de point, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour ma part, si on repart sur les couleurs de base, par exemple, ce qui concerne Web Plus Store, c'est vraiment des valeurs par défaut qui sont très bien. En tout cas, pour moi, j'aime bien le design, mais je ne suis pas designer. Voilà. Je pourrais dire j'aime ça, mais de là de créer quelque chose moi-même, ça c'est autre chose. Donc du coup, les valeurs par défaut de Tailwind me permettent d'avoir des choses plutôt jolies avec très peu d'efforts. Donc pour un développeur qui veut lancer son side project comme nous, par exemple, eh bien c'est hyper rapide. Et si on respecte les valeurs qui ont été instaurées dans Tailwind, il n'y a pas de raison, on va avoir un résultat déjà de base très, enfin, peut-être très joli, mais plutôt présentable en tout cas. Un autre aspect qui est hyper utile, en tout cas, que ce soit Web2Store ou n'importe quelle application, c'est que disons que, je sais pas, que j'ai tous ces boutons, mais j'ai un bouton qui est bleu. Et ici, je ne sais pas ce qu'ils ont comme couleur. Et dans mon code, j'ai ces boutons un peu partout. Et disons, ça arrive souvent dans les projets, on va nous dire, eh bien, j'aimerais bien que ce bouton-là, il soit plus gros que l'autre. Ou qu'il soit, je sais pas, la même couleur, du coup, ou un comportement différent. Et ce qui peut arriver, donc, si on serait parti avec notre classe BTN ici, on ne sait pas comment s'appliquer dans le projet. Et du coup, on pourrait se dire, bah, OK, je vais faire un BTN avec une classe en plus, ou un BTN un peu prolongé. Et du coup, on a plus le risque de gonfler notre CSS plutôt que de le maintenir correctement. Et du coup, avec cette méthode, si on me dit dans le projet, au final, votre bouton bleu, là, j'en ai plus besoin, au lieu de virer l'élément de l'HTML et ensuite aller le fouiller dans mon CSS, pour trouver les classes à enlever, parce que, à vrai dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui nettoie leur projet correctement comme ça. Et du coup, ici, il suffit juste d'enlever du DOM et on n'en parle plus. C'est enlever du feuille de style tout de suite. Le DOM est, on va dire, la source de vérité dans ce qui est dans la feuille de style. Ici, on va pas le voir, mais. Alors, je peux peut-être aller vous montrer ici. Parce que... Le fichier CSS à la fin est extrêmement petit. Ah oui, mais je le cache. 12 kilos. 12 kilos pour donc une partie publique avec page d'accueil. Page d'inscription, page de connexion et quelques pages aussi en bac qui pour tout quoi, il n'y a que 12 kilos et comme j'utilise les mêmes valeurs à chaque fois, donc les mêmes couleurs, les mêmes tailles de police et ainsi de suite, du coup la chance que ce fichier gonfle davantage est très petit. Les plus gros fichiers Tailwind, moi, je n'en ai pas vu au-delà du 14 kg et encore là, c'est plutôt léger. Donc, comme avantage, c'est extrêmement performant et c'est très, très petit. Quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié pour développer avec Tailwind aussi, c'est un peu lié à ce que je disais avant par rapport à la maintenance, mais c'est aussi la charge cognitive.
C'est-à-dire, là, quand je crée mon interface, je n'ai plus besoin de switcher entre mon HTML, faire mon bouton, revenir dans mon CSS. Ah oui, mais en fait, ça ne me va pas, donc il faut que je mette, je ne sais pas, texte black. Ah non, ça ne me va pas parce que ce n'est pas le bord noir, donc je reviens dans mon CSS. C'est sortir du flux de développement. Des fois, on a juste une idée en tête et on veut le mettre dans le fichier directement. Sauf que, bah, en fait, non, il faut qu'on casse le rythme pour revenir dans notre CSS. Et ce n'est pas hyper agréable. Donc, dans ce cas-là, on arrive juste à poser nos styles comme ça. Et le flux est beaucoup plus fluide. C'est très agréable à développer. Et du coup, en tout cas, moi, je trouve ça hyper agréable de ne pas avoir ce poids pour me dire. Bah, attendez, si je change mon bouton, je change de place, eh bien, je vais devoir venir dans mon CSS pour le modifier correctement, quoi. Et du coup, ça revient aussi à un truc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et par exemple, dans un projet, si par exemple ce div, ce premier div, on va peut-être appeler ça parent ou wrapper ou container. Après, on va son enfant. Qui va centrer le contenu ici. On va peut-être l'appeler Container Center ou Wrapper Center, comme ça, quelque chose de peu sémantique. Et il n'y a rien qui nous empêche d'encore avoir un div en dessous qui va faire un truc de layout un peu abstrait. Sauf que je n'ai pas envie de passer du temps à me dire bah, est-ce que c'est un Wrapper Center Inner ou un Container je ne sais quoi. C'est vraiment gaspiller de l'énergie pour réfléchir à des noms non sémantiques de classe qui ne servent pas. Pour au final le mettre dans mon CSS et encore casser le flux, savoir qu'est-ce que ça doit faire. Et donc, c'est pareil, d'avoir ces noms de classe utilitaires, du coup, je n'ai pas besoin de réfléchir à des noms de classe qui n'ont pas de sens au final. Peut-être un BTN, ça peut avoir du sens. Ou un container, mais de base, ça peut avoir du sens, mais les choses qui sont vraiment abstraites uniquement pour placer les éléments dans la page, ça... Moi, en tout cas, je ne vois pas trop la valeur. Autre chose qui est super intéressant avec Tailwind, c'est qu'ils ont beaucoup... Enfin, une communauté qui est en train de grandir à vitesse grand V. Par exemple, si on arrive sur cette repo GitHub, on peut voir qu'il y a beaucoup de plugins de extensions, de presets, il y a vraiment de tout. Enfin, il y a des choses qui sont deprecated, mais enfin, il y a des outils. Il y a vraiment une communauté très passionnée et extrêmement investie. Et si jamais ça vous arrive de chercher, il n'y a pas cette classe-là dans Tailwind, il y a déjà quelqu'un qui s'en est occupé pour vous. C'est extrêmement agréable. Et même, ils ont un Discord pour tout ce qui est question, pour tout ce qui est entraide, qui permet de, même si on est un peu noob, pouvoir s'appliquer et s'investir dans Tailwind aussi. Mais après, souvent, l'inconvénient, on va dire, de Tailwind que les gens voient, que vous avez certainement regardé depuis tout à l'heure, c'est que là, j'ai mon bouton, ok, je ne mets pas une classe BTN, mais du coup, j'ai une espèce de chaîne de classe un peu dégueulasse, et c'est pas beau, quoi. On n'a pas l'habitude de voir autant de classes sur un bouton qu'on aurait créé nous-mêmes. Et c'est vrai que au début, la première réaction, c'est un peu de vomir dans sa bouche, et puis bon, c'est comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a créé des classes comme ça, et ça vient avec l'habitude forcément, c'est pas direct, mais c'est que quand je regarde ce bout de DOM, donc bon, déjà, je sais que c'est un bouton, la doc, il veut vraiment crier. Mais du coup, je sais que c'est un bouton qui est rouge, je sais qu'il y a tant de padding horizontal, tant de padding vertical, que c'est un peu arrondi, qu'il y a une ombre portée, que c'est des textes blancs, et ainsi de suite. J'arrive à lire, en fait, quel est le style de ce bouton. Si j'avais pas l'écran en bas, je pourrais vous dire à peu près à quoi ça ressemble, quoi. Et donc, ça nous fait de l'HTML déclaratif qui est très, très facile à décortiquer. Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment changé mon workflow, que ce soit to store ou trade. Et c'est juste, quand on prend le pli des noms de classe et tous les outils qui sont en dispo,
c'est vraiment incroyable. Si, bon, je vais pas vous montrer la doc, mais la doc est extrêmement bien faite. Il y a une recherche intégrée. Et on peut arriver à faire des choses hyper rapidement, par exemple, comme une grille de d'image, par exemple, comme sur Orgie Blanc. On fait une grille comme ça, très rapidement, je veux dire que c'est une grille avec un espacement de 6, c'est avec des colonnes. Il y a, je sais pas, on va dire qu'il y a 12 colonnes. Martine, j'ai un div qui va faire Goldspan avec en fond rouge, hauteur, non, largeur, pardon, 64, hauteur 64, comme ça. C'est ça de faire du code en live en plus, c'est quand ça marche pas. Cap 6, 4. Ah bah c'est bien ça. Comme ça on peut débugger ensemble. C'est chouette. 4, normalement. Ça aussi, c'est que du coup, moi j'arrive à débugger plutôt rapidement parce que. On a quand même appliqué des classes rapidement. Ah oui, yes, d'accord. Ça va pète dans les doigts comme ça. 4. Ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir vous montrer un peu comme ça. Et ici, avec leur super site qu'ils ont fait. Grid, parce que bon, clairement j'ai un souci de grid. En tout cas, leur doc est extrêmement bien faite et j'ai pas trop besoin de chercher quoi. Même si je suis habitué. 12. Démissionner maintenant. C'est assez intéressant. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Puis j'ai fait ça devant tout le monde. Donc c'est extrêmement chouette. Mais vous voyez un peu le workflow. La grid XYAP, non? Pardon? Grid XYAP. Grid gap. J'ai enlevé les gaps. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec un X, non, pour le... Peut-être pas. Non, pas forcément. Bon, au pire, c'est pas grave. Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est pas intéressant. Mais normalement, ça aurait fait un joli grid comme sur Web2Star. Et vous aurez été super impressionné. Mais c'est pas grave. après, voilà, je ne sais pas trop quoi vous montrer en plus. Je ne vais pas trop... je ne vais pas faire 4+. Donc, je vais pouvoir dire... Merci. Est-ce que tu pourrais, si possible, hein, nous montrer le composant UI que tu as parlé, Tailwind UI, vite fait, juste Oui, bien sûr. Ça. Pas de souci. Je lui ai envoyé un texto justement pour qu'il le montre, mais j'ai vu qu'il n'a pas vu ses SMS. Mais le truc est excellent. Hein. Faut savoir que ça nous coûte $250 et vous allez voir ce qui est possible d'être fait. En plus, c'est fait par les développeurs de Tailwind. Quoi. Ouais. Donc là, je ne suis pas logué, mais du coup, on voit un peu ce qui est préparé par eux. Là, typiquement, c'est un héros sur une page d'accueil. Après, par contre, ce qui est différent de Tailwind CSS de base, il se peut que leur composant ait besoin de JavaScript. Il indique dans le titre ici, et après, on peut voir directement, on peut même voir le code preview. Et donc, on voit un peu comment c'est fait. Et lorsqu'il y a besoin de JavaScript, normalement, voilà, c'est commenté avec les valeurs aussi de transition. Donc, si je vais, par exemple, sur leur preview, je peux voir un peu le menu mobile. Et voilà. C'est un peu comme leur doc, c'est-à-dire c'est hyper bien fait, la recherche est bien faite, et c'est vraiment des éléments de qualité, quoi. Je suis sûr que si vous cherchez entre Tailwind UI et Web2Store, et
les stores du genre orge blanc, vous verrez les éléments ressemblant très fortement. Parce que bah, clairement, en deux semaines, on n'a pas besoin, enfin, pas besoin, on n'a pas le temps de faire tout à partir de zéro, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très utile pour démarrer un projet en vitesse. Et là, enfin, c'est vraiment super. Et comme disait Vivien, c'est vraiment un investissement qui a de la valeur parce que au début, comme ça, quand on voit $250 pour du HTML, quoi, c'est vrai que ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Mais après, quand on se dit que c'est quand même fait par des développeurs de qualité, avec un designer de qualité, c'est un peu comme si on avait notre propre équipe de design et de développement qui nous ont préparé des choses pré-mâchées, quoi. Et donc là, on arrive avec des menus, tout est animé, tout est super bien designé. Il suffit juste de remplacer le contenu et changer les couleurs et c'est parti, quoi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à moins de risques de ressembler à un site Bootstrap à l'époque, où tous les éléments, c'était les mêmes boutons bleus, c'était les mêmes modales, etc. Mais ici, je ne sais pas si on peut avoir accès aux modales. Il y avait des modales, je sais pas. Ou des drop-downs, par exemple. Ils ont toutes sortes de drop-downs, donc celui-là. Là, avec des séparations, ici avec des icônes. Ils font vraiment tout d'A à Z. Et ils continuent à travailler dessus. Ce n'est pas une bibliothèque fixe. Il me semble même que c'est actuellement, c'est en alpha ou early access. Oui, c'est ça, c'est early access. Donc, ce n'est même pas la version complète, quoi. C'est-à-dire, là, j'ai vu un tweet du designer qui travaille dessus. Ils sont en train de travailler sur des écrans de détails, donc page de profil ou ce genre de choses-là. Donc, c'est $250, mais c'est licence à vie et ça peut dépanner largement, même sans forcément utiliser tous les éléments sur un même projet. Mais si sur un projet existant, j'ai besoin de stats, je vais piocher là-dedans et c'est parti. Ou, je sais pas, une bannière ou un footer ou n'importe quoi. Ils ont vraiment pensé à tout. Voilà. Si je dis pas de bêtises, pour ce que ça vaut, la licence sur Tailwind UI, elle est nombre de projets illimités et licence commerciale incluse, donc vous pouvez faire des projets et les revendre à vos clients si vous êtes en free. Oh oui, c'est tout à fait ça, mais c'est vraiment on paye les $250. Et encore, c'est $250 si on prend la totale, c'est-à-dire il existe d'autres paquets, donc il y a l'application, donc tout ce qui est, on va dire, SaaS ou back-office d'application. Et après, le côté marketing, donc les homepages, les héros, les bannières, etc. Mais après, franchement, quitte à acheter un des deux, autant en prendre les deux pour voir la totale, qui est vraiment pas cher. C'est une super valeur. En tout cas, nous, on est ravis. Ça nous a boosté le projet à une vitesse encore au-delà. J'ai pu faire des landing pages. En une demi-journée, c'est fait. Juste le temps de mettre le contenu qu'il nous faut, les couleurs, etc. Landing page, il est fait, il est responsive. C'est de qualité. J'ai dû avoir peut-être un ou deux bugs parce que ça n'allait pas comme je voulais, mais c'est... quand on connaît Tailwind en plus, du coup, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que tu peux lire les classes. On sait que cet élément-là, telle taille d'écran, il va faire ça. Ça ne me va pas, je change et puis c'est fait. J'ai pas besoin de gratter dans des fichiers CSS minifiés au préalable, des trucs, c'est pas possible, quoi. Donc là, c'est vraiment très très bien fait et on peut trier ce qu'on veut. C'est top. Et donc oui, effectivement, on peut aussi, si on souhaite faire des projets commerciaux, pas de problème. C'est licence à vie. La seule limite, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un site comme Tailwind UI. C'est-à-dire où on propose en fait gratuitement ou de façon payante ce code-là en fait. C'est la seule limitation commerciale qui. Oui, on peut pas le partager. Oui. Après, ça semble normal. Oui. Quoi. Ce qui en soi n'est pas totalement illogique, ouais. Oui. Et comme le disait du coup tout à l'heure Olivier là dans le chat, c'est vrai que c'est le tarif en fait d'un thème premium, quoi. Sauf que l'avantage c'est qu'il est en rolling et donc du coup toutes les semaines tu reçois un mail de leur newsletter te disant. Il y a tel truc qui a été ajouté ou tel autre truc. Et c'est vrai que là, l'avantage, on a juste à faire un copier-coller et ça marche, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et comme je le disais à chaque fois, enfin,
tous les jours à Eden, il a l'habitude de cette phrase. C'est en fait, on poke. Et donc, du coup, bah, c'est, on fait un copier-coller et proof of concept. Il faut que le truc parte et on voit si ça marche pour le client. Après, bah, on fera évoluer le truc. Mais, et donc, pour ça, c'est juste exceptionnel. Quoi. Les $250, c'est cadeau. Quoi. Et du coup, si ça peut vous intéresser, j'ai mis dans le chat aussi, il y a un site qui s'appelle Tailwind Components, où là, on est plus sur la communauté, en fait, qui propose gratos. Et... Ouais, c'était un peu plus haut. Ouais. Là, ouais, je crois que tu l'as passé. Tailwindcomponents.com, en fait. En gros, c'est n'importe qui peut venir un peu à la code pen, venir créer ses propres composants Tailwind avec une visualisation des composants directement sur le site. Mais du coup, la qualité est très variable. Vu que c'est de la communauté, il y a des trucs qui datent, qui sont faits avec des vieilles versions. Il y a des trucs qui renvoient vers des libs un peu plus premium. Mais il y a des trucs plutôt cool. Ça peut servir, quoi. Moi perso, je me sers de ça. Et un de ces quatre, je pense que j'achèterai Tailwind UI parce que clairement, ça vaut le coup. Oui, c'est ça. C'est que c'est le problème avec les éléments comme ça faits par la communauté, c'est que voilà, comme tu disais, c'est que la qualité n'est pas forcément toujours là. Moi, je ferais clairement plus confiance en Tailwind UI qui est fait par les créateurs et ils savent. Enfin, c'est vraiment un univers, quoi. Là, pour le coup. Après, c'est intéressant, c'est vrai que pour avoir des idées de design ou de. Ouais, voilà, c'est plus ça, en fait. Je m'en sers plus d'inspiration. Je copie-colle le code, mais après, je le réajuste à ma sauce. Alors que, ouais, Tailwind UI, tu t'en sers comme, presque comme tu te servirais d'un bootstrap avec des composants pré-made que tu intègres sur ton site et basta, quoi. Un de ces quatre, je le prendrais, Tailwind UI. Ils font tellement du bon boulot avec la lib que du coup, c'est aussi un moyen de récompenser le créateur. Ouais. Et c'est le même sujet aussi, si vous voulez les récompenser, mais que Tailwind UI, ce n'est pas votre tasse de thé. Ils ont aussi un livre, un e-book qui s'appelle Refactoring UI. En gros, c'est pas le design pour les développeurs, mais c'est un peu leur phrase d'accroche, c'est... Je sais que mon application est moche, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, c'est pour nous guider, les développeurs, pour faire une application qui, ce n'est pas forcément quelque chose le plus sexy au monde, mais c'est largement fonctionnel et c'est des bonnes pratiques, quoi. Et ça, c'est à $150, il me semble, pour le complet. Et c'est pareil, je pense que c'est une bonne valeur, un bon investissement, quoi. Là où j'aime bien en fait Tailwind, c'est que ils sont un peu comme nous dans l'équipe, c'est des nazis. En fait, ils ont vraiment une vision de faire dans le truc qui est carré, qui fonctionne, qui est comme ça, qui est juste bien fait, quoi. Ça fonctionne. Et typiquement, eux, donc leur slogan, c'est Utility First. Alors que c'est un tout petit truc, hein, Tailwind. Enfin, quand on regarde, c'est vraiment un tout petit truc. Mais quand ils font par exemple une vidéo de présentation de Tailwind 2, ils ont été faire une super vidéo type hollywoodienne, vous pouvez la regarder sur YouTube, avec une musique où ils ont fait appel à un orchestre, et l'orchestre, pour la petite info, chante en latin Utility First, en latin, juste voilà, dans toute la vidéo de présentation de Tailwind. Ils sont vraiment barrés, et quand on les suit sur Twitter, on voit que les gars, ils sont en train de ratisser super large. Là, ils ont fait une intégration, par exemple, Next.js directement, enfin, une intégration Tailwind directement dans Next.js, en natif, si je ne dis pas de conneries. Ça est arrivé hier soir, j'ai vu ça. Le truc est vraiment, vraiment parti pour faire quelque chose de gros. Et comme le disait tout au début Eden, c'est vraiment des paquets qui sont très, très petits. Par exemple, Firefox Relay, qui est le VPN de Firefox, leur CSS pèse que 9 kilos. Parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de duplicate à l'intérieur. C'est vraiment le plus petit truc possible, quoi. Et pour ça, du coup, c'est juste parfait, quoi. Ça nous change avec Trady, quoi, qui était basé justement sur un thème Forest à $9 plus du CSS custom, et qui fait que on est sur du 200 kilos de CSS et ce genre de conneries, quoi. C'est 200 kilos par page, donc c'est des 200 kilos chargés à chaque page. Après, on parle du CSS, mais forcément, tu as tes pages HTML grossissent, c'est ce qui avait été dit dans le chat aussi. Hein. C'est, vu que c'est très, très verbeux, tu gagnes sur le CSS, mais tu fais aussi grossir ton HTML au final.
C'est vrai, mais après, c'est pas, je pense pas que ce soit proportionnel. C'est-à-dire, je pense que tu gonfles davantage ton HTML, c'est vrai. Mais comparé à le poids de CSS que tu pourrais avoir avec une technique, on va dire, standard, je pense que tu t'es quand même gagnant. Même si c'est vrai que l'HTML va être gonflé, mais c'est pas non plus un point où ça devient lourd, quoi. Enfin, une page HTML, c'est vraiment le fichier. Enfin... Ce que j'ai mis dans le chat, la différence, c'est qu'en fait, localement, dans ton action, en fait, dans ton HTML, ce que tu télécharges est nécessaire. Contrairement au fait de télécharger d'avance du CSS ou de préloader du CSS, qui n'est pas forcément nécessaire, parce que tu prends toute la page, en fait. Ce qui est moins le cas quand tu as une approche par composant avec un front-end single page comme React, ce que tu veux, où tu vas généralement avoir que ce qui t'intéresse dessus. Mais là, si tu fais une grosse feuille de style où tu télécharges tout par défaut, tu as trop de CSS, tu as de l'excédent par rapport à ce que tu as. Tu as de l'overhead, en fait. Et donc là, tu perds l'overhead avec Tailwind parce que du coup, le HTML, il est uniquement besoin à ta page. Et le HTML que tu télécharges, il représente beaucoup moins d'octets que ce que tu vas mettre dans tes CSS. C'est ça l'argument, surtout, de différence, en fait. C'est qu'au final, ça fait moins de texte. Et aussi, chose à savoir, c'est que le fichier CSS généré par Tailwind, c'est global, c'est-à-dire c'est pour un projet. Et je ne sais pas s'il y a moyen de faire, je sais pas, un Tailwind CSS par page, par exemple. Mais quand on voit que la taille est tellement petite que ça ne vaut pas le coup de faire un CSS par page, quoi. C'est ce Par que j'ai exemple. mis dans la réponse. Enfin, moi, je l'utilisais avec Webpack encore via Symfony, en fait, donc sur une surcouche Webpack. Dans Webpack, tu peux fragmenter tes trucs et tu peux demander, en fonction du contexte, c'est du back-end qui vient du front-end Symfony, donc tu peux faire Django, c'est pareil. Tu peux donner du contexte et dire dans ce contexte-là, j'appelle tel fichier, j'appelle même tel JavaScript, en fait, c'est l'avantage de Webpack, et tu peux dire en fonction du contexte, je fais ça. Donc, par exemple, charger typiquement ton admin et ton front différemment pour pas avoir à tout charger à la fois. Oui, parce que là, pour Ça le coup, on est à 9 kilos. Là, vous avez vu juste la page, en fait, la home page qui présente Web2Store. Mais sur le même site, en fait, on a deux sites par rapport d'un point de vue architecture. On a deux sites. On a le site Web2Store, la home page, avec la partie admin. Donc, du coup, d'ailleurs, on a une partie admin complète et la partie customer qui est séparée. Donc là, les 9 kilos, c'est vraiment la home page plus toute la partie admin qui est là. Et du coup, en plus, vu que c'est caché, donc le truc est. Fait qu'on n'a jamais besoin de le retélécharger, quoi, hors mise à jour. Attends, je vais arrêter de partager mon écran, du coup, c'est pas très intéressant. Je crois qu'il y avait deux, trois autres questions sur le chat, je ne sais pas, au tout début. Alexandre Ouais, qui était un si peu trop quelqu'un les vers a le haut. vus, les remonter comme ça, parce que moi, je sais pas ce qui. Je sais pas Il tout y ce avait qui. Alexandre qui disait que c'était, il trouvait que ça faisait un peu trop verbeux, mais du coup, c'est vrai que tu as quand même pas mal expliqué le truc. Et après. C'est le pli à prendre, quoi. C'est vraiment, moi, c'était vraiment le truc aussi qui m'inquiétait au début. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de voir ce que ça donne et tout. Et franchement, je crois que bah, je parlais avec toi justement quand j'ai essayé. Et c'était le grand amour, quoi. Moi, je veux plus écrire de CSS, quoi. J'ai remarqué. Sois pas jaloux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me fait mal quand je dois repasser sur du bootstrap ou autre chose aujourd'hui. Et quelque part, allons un peu plus loin, où est la vraie valeur ajoutée d'un dev front maintenant? Est-ce qu'elle est dans la compétence à savoir comment écrire telle propriété dans telle classe CSS et savoir ordonnancer son CSS comme il faut? Ou est-ce que c'est plutôt comment savoir hiérarchiser son contenu et savoir utiliser astucieusement les différentes fonctionnalités que nous offre maintenant la techno? Tu balances direct le sujet polémique, en fait, là. Ben, J'espère qu'il n'y a pas trop de dev front dans le ouais. meetup, hein. Tu vas faire des ennemis, hein. Ils vont brûler ta voiture. Mais c'est Ben, la tant question pis. qui a été posée au début de Bootstrap, hein. Ouais, moi, tu vois, enfin, franchement, pour C'est moi, un plus dev compliqué front. que ça, hein. Faut pas être méchant, mais Tailwind et Bootstrap, ça reste très basique. Si vous Ouais. suivez les Google CSS Tricks régulièrement, ils balancent des bombes où en 10 lignes de CSS, tu fais des trucs. Si t'es pas vraiment front, t'es loin, loin, loin d'avoir ce niveau-là. Ouais, c'est Tailwind, ça sert quand tu veux en fait avoir un projet où t'as pas de dev front et où tu dis, je veux quand même essayer de faire du web HTML pas trop dégueulasse et tu veux pas savoir forcément comment fonctionne Flex Et ou Grid. Tailwind, c'est pour le dev back qui n'a pas de dev front, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Moi-même, je l'utilise comme ça hein, en tant que dev back. Après,
Après, pour moi, un dev front, ça ne se limite pas qu'au CSS. Pour moi, les frameworks à la React, Vue, on est quand même vachement sur du front parce que ça nécessite d'architecturer les composants de Vue. On n'est pas, c'est un mix entre du front et du back. Ouais, mais là, je pense que tu sors, en fait, tu sors de l'intégrateur front-end à du développeur front-end. C'est ça. Alors, il y a intégrateur et développeur aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a même inversement des gens qui font du React et qui ne savent pas ce que c'est que le CSS. J'en ai fait les frais. Oui. La différence, c'est là, d'un côté, tu as l'algorithmie, tu as du pilotage MVC où tu as un couplage avec le back-end qui est à faire. Et de l'autre, tu as juste les notions de comprendre ce qui se fait dans un navigateur. Et Tailwind t'évite de te remanger les classiques parce que ça fait 20 fois qu'on essaie de résoudre les problèmes avec le HTML5, la grid, la flexbox, etc. Et il y a des trucs qui changent tous les jours. Je pense qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais les directives CSS, le changement des éléments HTML, c'est assez lent. Il y en a beaucoup qui changent régulièrement, mais c'est assez lent. Par contre, le CSS, là, ça fait genre le mois dernier, il y a encore 2 ou 3 nouvelles propriétés CSS complètement délirantes qui sont sorties. Donc, il faut se rendre compte, maintenant, on est à plus de 1000 propriétés CSS, je pense, à vue de nez, qui sont à connaître. Et quand tu as des designs avec une vraie marque qui a vendu du pognon, tu as un web designer qui t'a pondu une maquette de dingue, tu n'as aucun framework qui va le faire. Là, tu repasses sur du CSS où tu fais tout à la main, et là, tu prends du dev front-end et tu as intérêt à en prendre qui ne soit pas trop mauvais parce que ça prend vraiment... Ah, je sais pas, après, ça dépend de ton style de site, ça dépend de pas mal de paramètres. Question con, exemple con, l'autre jour j'ai intégré une landing page qui a été faite par un graphiste, donc voilà, réfléchi de A à Z avec un design, etc. Et j'ai tout intégré en pixel perfect avec Tailwind et avec 0 ligne de CSS, mis à part des fontes et un petit peu de config du Tailwind Tailwind en JS pour ajouter les codes couleurs, quoi. Et en fait, tu peux vraiment faire des trucs complet avec Tailwind, mais c'est les petits trous du vélo, quoi. C'est pour ceux d'entre nous qui ne sont pas des dev front et qui ne sont pas bilingues CSS, quoi. Je me vois pas me taper des animations, des transitions en CSS, alors qu'avec Tailwind, tu charges 3 classes et tu as des trucs basiques mais fonctionnels. Après, attention, parce que je pense qu'avec le config Tailwind, tu peux... Si tu veux, tu peux tout faire en Tailwind. Il suffit juste de configurer ton projet correctement. Ah, mais bien sûr, tu peux déclarer toutes tes animations, tu peux toutes tes transitions, tu peux tout customiser dans ton fichier de config. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être pas le but non plus. Oui, bien sûr. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, comme tu dis, garder le framework Tailwind et faire tout ce qui est la base, quoi. Et ensuite, pour les choses un peu plus touchy, faire du custom, ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. Mais pour revenir aussi sur ce qu'il disait William, c'est que c'est un peu, je pense que techniquement on peut tout faire avec si on a l'envie, quoi. Voilà, c'est pas limité par la technologie, c'est plus limité par ce qu'on a envie de faire, quoi. Ah oui, clairement. Après, on est beaucoup de dev back à la FUP. Est-ce qu'il y a des fronts qui sont là et qui souhaitent exprimer un avis sur ce qu'ils ont vu ou des questions? Bonsoir. Moi, je suis plutôt dev front React et je partage tout ce que vous avez dit. C'est vraiment très très intéressant. D'un point de vue perso, j'ai utilisé un peu l'équivalent. Je vous ai mis le lien dans le chat pour gérer les activités d'une association, les adhérents, etc. Donc vraiment pas du tout un outil pour être publié sur le web, mais plutôt en interne, pour gérer leur base de données et tout ça, et d'utiliser ce type d'outils, c'est vraiment top parce que voilà, faut que ce soit sympa à utiliser. Maintenant, il n'y a pas à se différencier en termes de graphisme, vraiment c'est vraiment le bon plan pour aller vite, je pense. Après, sur le plan pro, je suis plus sur un outil qui c'est un CMS, hein. Mais à partir du moment où on fait l'intégration graphique un peu costaud avec des renseignements d'images, de l'intégration de vidéos, du placement de titres, etc., un peu comme l'utilisateur a envie que ce soit, là, ça devient très chaud de ne pas toucher au CSS. Là, je me suis battu récemment sur des histoires de vidéos verticales, horizontales, il fallait adapter dynamiquement. C'est du pur CSS, quoi. Ok, merci, c'est super intéressant. Et c'est vrai que moi, enfin,
au vu de ce qu'on vient de voir, hein, ça me fait vraiment penser à ça. C'est le nouveau bootstrap du bac, quoi. Ah ouais, mais là, tu vas un peu offenser Aiden quand même. Non, je pense pas. C'est comme ça que moi je l'ai découvert personnellement, ce que tu viens de dire, le bootstrap. C'est qu'en fait, j'avais vu une infographie, tu sais, avec ses, le singe, tu sais, qui évolue, le protozoaire, le poisson, le crocodile, le mec debout et l'humain, etc. Et les mecs mettaient progressivement les classes. Et il y en avait un autre qui se foutait, tu sais, en disant ce qu'on faisait en HTML il y a 25 ans, on foutait des tonnes de classes pour dire is blue, is machin, etc. On recompactait, on revenait sur un truc, puis il y avait bootstrap l'épisode. Et finalement, ils remettaient Tailwind, ils remettaient le code qu'on faisait il y a 15 ans en disant finalement, on refait la même chose, un peu comme avec le NoSQL, quoi. Et donc j'ai découvert ça en disant c'est encore un truc qui est un gros buzzword, parce que je suis vraiment petit buzzword dans le web et dans le métier. Et je suis parti chez ce truc là en me disant sincèrement je pense que je vais me foutre de la gueule de ce truc, parce que je pense que c'est un nouveau bullshit word, voilà. Et j'ai testé, j'ai fait merde, c'est bien en fait. J'ai fait putain, ça marche ce truc en fait. Et j'ai fait un site pendant le confinement en très exactement 6 jours avec pas mal de templates et trucs dessus, en fait, pour empêcher, enfin, pour mettre des news réelles et authentiques qui ne soient pas des fake news pour la région et comment s'organiser pour les gens, qui a eu plusieurs dizaines de milliers de visites. Et ça, j'ai fait ça en live déjà, je l'ai fait ça en live coding sur Twitch, et j'ai fait ça en quelques heures, en fait. Et j'ai testé Tailwind, je pense que le plus long, ça a été d'intégrer Webpack encore avec Symfony, et après, voilà. Donc, c'est l'avantage, justement, c'est que c'est pas bootstrap, pour dire, revenir sur ce que tu disais, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser le surplus des composants dont tu n'as pas besoin, quoi. Tu vois, c'est comme de prendre une solution, je sais pas, de back-end qui te fait plein de trucs. Je sais pas, d'exemple comme un Easy Publish ou un Drupal, quand en fait tu veux juste un truc où tu as tellement de code source custom que tu n'as pas besoin d'un CMS, quoi, tu vois. Ben là, c'est pareil, tu prends un Bootstrap, comme ils disaient tout à l'heure, tu as des tonnes de JavaScript, de machin, tu te dis, waouh, mais j'ai pas besoin de tout ça, quoi. Enfin, tu as juste besoin de faire du style. Et c'est un truc qui se positionne entre les deux. Et rappelons-le, c'est parce que tu utilises Tailwind que tu vas arrêter complètement de faire du CSS. Tout le CSS natif que tu écris, il est interprété pareil. Quand tu fais du at apply dessus, tu ne mets que des trucs Tailwind, mais après, tu peux d'abord définir tes modules toi-même, définir tes composants toi-même. Dedans, ça se fait assez facilement. Comme ceux qu'il a montré tout à l'heure, Aiden, tu peux récupérer le truc sur net, tu peux en faire toi-même avec 3 lignes de JS et de CSS. Et tout ce que tu vas mettre comme classe dedans, c'est du CSS natif aussi. Donc, tu peux en plus charger une feuille de style CSS et continuer de faire du CSS à côté pour ce qui est un peu plus fine-tuning, quoi. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ouais, justement, j'allais poser la question, est-ce que c'est pas trop pété, par exemple, on reçoit un projet qui est aux petits oignons au niveau CSS, par contre, bah moi je suis dev back, j'ai besoin de faire quelques fixes dessus ou intégrer une nouvelle partie du site. C'est pas trop pété d'utiliser Tailwind, on va pas me dire ah là là, ça y est, tu pars sur un nouveau truc pour un petit projet ou un projet de taille moyenne alors que tu pourrais le faire en Scratch ou utiliser quelque chose que quelqu'un connaît comme Bootstrap ou quoi. Quels seraient les arguments à apporter ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Quel est votre avis là-dessus? Bon, je pense que ça dépend du contexte du projet déjà. Si c'est quelque chose de très avancé et que si déjà il y a 15 technos dessus, c'est peut-être pas la peine de rajouter un 16e. Mais effectivement, si pour toi c'est la solution la plus simple, ça ne va pas rajouter le plus de poids au projet. Parce que si c'est pour mettre 10 classes pour faire ce qu'il faut, bah ça te mettra quelques kilos, enfin même pas des kilos, enfin quelques octets de CSS pour faire ça. Donc je pense que ça dépend vraiment du projet et du stack, parce que bah, ça a l'air d'être un peu compliqué pour Symfony. Mais en tout cas, moi je travaille avec tout ce qui est React, donc l'environnement JS est beaucoup plus accueillant pour installer Tailwind. Donc ça pourrait très bien se passer. Mais après, voilà, si c'est un projet un peu complexe, ça pourrait être problématique, je pense. D'accord, ok. En fait, moi, l'avis que j'ai sur ça, si je peux me permettre, c'est que ça dépend si ton projet, il utilise un webpack. Déjà, si tu as un webpack avec un post-CSS, tu peux te permettre d'ajouter Tailwind sur ton environnement de développement. Et quand tu vas builder, Tailwind, il va aller parser automatiquement les fichiers que tu lui dis. Donc, ça peut être un sous-répertoire templates, par exemple, et il va chercher ses propres classes à lui. Il va, à la fin, purger ton CSS pour ne garder que les classes que tu utilises. Donc, sur ton build final, bon, je pense que la différence, elle sera minime. C'est juste que, voilà, en effet, comme disait Aiden, tu vas rajouter un élément sur ta stack, quoi. Alors, sur l'écosystème JS, c'est normal, hein, notre module, on n'est plus à ça près. Mais ouais, sur du Symfony, perso, jamais testé Symfony Tailwind.
C'est vraiment super simple et en plus il y a 2-3 tutoriels sur le net où les gens sont un peu cassés les dents pour le faire. Et grosso modo, le Symfony, tu as une encapsulation, tu sais, de Webpack, ça s'appelle Webpack Anchor dessus, qui est un composant intégré. Et ouais, c'est tout près dedans et tu as juste 2 lignes à rajouter et ça le fait. Tu as juste à choisir en fait où est-ce que tu veux mettre tes assets et tu as les bonnes pratiques qui te disent bah, tu les mets là. Et tu as juste besoin de, en plus de rajouter la config, tu fais des fichiers de JS à côté. Alors après, la différence, effectivement, c'est que si tu fais du Symfony avec, par exemple, du Twig en front et que tu fais du backend qui génère du front, donc du SSR, là-dessus, il faut quand même que tu démarres en serveur node parce que sinon, tu n'as pas de listen, si tu veux, qui va mettre à jour tes classes en temps réel. Donc il faut que tu démarres 2 tâches quand tu veux bosser, quoi. Tu démarres en serveur web backend et un serveur node pour écouter tes classes en temps réel, quoi. Donc voilà, ça fait une tâche de dev. Mais si, comme tu le dis, si tu bosses avec React, tu n'as pas ce problème parce que tu l'as déjà eu avant. Tu as besoin de lancer ce truc-là, quoi. Si tu as un React plus Symfony, React plus Django, tu as forcément besoin d'un serveur Python qui lance du Python et tu as besoin d'un serveur qui fasse ton front. Donc ouais, voilà, tu auras toujours ce problème. Ça ne me choque pas parce qu'entre Symfony, perso, en ce moment, je fais plus de Laravel que de Symfony, mais dans tous les cas, j'ai toujours 2 process qui tournent. J'ai 3 consoles, j'ai mon serveur back. Artisan ou bin console, j'ai mon npm watch pour mon front, que ça soit CSS ou JS, et puis j'ai ma console git, quoi. Enfin, mais pour moi c'est normal. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et pour moi, justement, c'est marrant d'écouter ce genre de conversation parce que pour moi le serveur vraiment, donc le pour nous dans notre cas le serveur Next.js, donc qui va faire toute la partie rendering, si je dis pas de conneries, Eden. Pour moi, cette partie-là, en fait, c'est vraiment c'est front, mais pour moi, c'est le front full stack. Et en fait, pour moi, le back-end, c'est un peu dans notre architecture, du coup, le back-end est vraiment séparé, pour moi, de cette partie full stack. Nous, le back-end, c'est séparé par une API. Il y a une API, donc il y a la partie vraiment back-end, True backend qui est avec Django REST Framework, qui va faire les appels API, les appels à la base de données, enfin voilà ce genre de choses-là, du calcul. Et la partie, pour moi, qui est du coup vraiment front-end, même s'il y a ce Next.js qui pourrait être tout autre chose comme serveur de rendering, mais du coup, pour moi, c'est plus du back-end, quoi. Et donc, du coup, c'est quand tu disais par exemple tout à l'heure, c'est Steven, je crois, qui a dit ça. Oui, mais le développeur back-end, il va falloir qu'il touche un petit peu dans les fiches CSS. Pour moi, non, ça, c'est pas au back, quoi. C'est après, il y a la partie back est vraiment séparée par cette API et une personne derrière le front va faire la partie rendering qui est pour moi son boulot avec toute la partie CSS et autres, quoi. Je pourrais ajouter là-dessus. Je pense que ça dépend déjà des types de projets. Je sais que j'ai fait des projets, j'ai bossé sur des projets en PHP où ça m'est arrivé en tant que front de toucher un peu au back et inversement. Et c'est pas toujours une partie de plaisir, donc c'est sûr que c'est pas toujours terrible. Mais par rapport à ce que tu dis, le type de stack qu'on a, ça s'appelle Jamstack, donc J-A-M stack, c'est JavaScript, API et Markdown. Voilà, ça c'est un nouveau buzzword qui est en train de tourner. C'est mal celui-là. Ah, t'es bien. Il fait mal. Alors, si t'es bien foutu, et les exemples sont très bons, mais ça fait mal. Ça, dans le buzzword, moi, je l'enseigne comme un buzzword à chaque fois, celui-là, James. On va faire quand même des trucs cool avec, tu vois. Ah ben oui, non, mais là, vous n'êtes même pas vraiment encore James, parce que vous avez vraiment un truc qui, eux leur philosophie, c'est de dire, en fait, faites du full statique, il n'y a pas de dynamique, quoi. C'est la plupart du temps, pas du e-commerce, évidemment, mais même pour du e-commerce, ils disent, franchement, vous avez besoin de tout ça. Tu dis, il n'y a pas juste besoin d'avoir un passage de commande annuel. Il y a besoin de tout ce dynamique pour le catalogue, les machins. Tu fais, bah oui, non, pas vraiment. Tu dis, oh, mais ça ne fait pas gros à générer les centaines de milliers de pages et tout, enfin, les références croisées dans les facettes et tout. Mais à part ça, les gens te disent, faites du full statique et vous n'aurez plus de problème de stack. Et c'est vrai, quand tu craches du HTML CSS, ton serveur, tu dis, oh, 10 millisecondes pour le time to first byte et la page générée en moins d'une seconde, c'est balèze, hein, on est loin de Magento, les gars. Hein. Ok. Donc la Jamstack, voilà. Web2Store, c'est full statique, hein, pour le coup. Web2Store, c'est full statique. Et oui, les stores du type Orgeblon, ils sont par contre rendus côté serveur. T'as parlé de Next aussi, hein, c'est pour ça, là, j'ai entendu Next tout à l'heure, non?
Oui, mais Next, c'est ben Next maintenant, ils font tout, ils font rendering statique, rendering côté serveur, ils font back-end et front-end, mais ils font régénération statique justement sur la Jamstack. C'est les premiers exemples. Nuxt et Next sont cités comme étant deux livres qui permettent d'exporter comme ça des trucs pré-générés où tout est optimisé dedans. Quoi. Donc, par exemple, Tailwind qui sera optimisé dedans ou qui va générer son propre job d'export quand tu fais du, je sais pas, par défaut, si tu n'as rien changé, du NPM run prod, un truc comme ça où tu veux exporter ton projet, il prépare ça. Quoi. Yes. Si jamais Tailwind vous a plu et que vous êtes déjà un petit peu fan de l'écosystème Laravel, moi personnellement, je suis en train de développer un projet sur ce qu'ils appellent maintenant la Tall Stack. Donc Tailwind, Alpine, Laravel et Livewire. Et c'est très sympa parce que passer de React à Livewire, on a vraiment cette notion de component un petit peu indépendant intégré dans une page. Et du coup, je trouve que perso, je trouve ça assez drôle. Et du coup, bah, avec Tailwind et bon, Alpine, ça un peu, j'ai un peu de mal à m'y faire, mais ça vient petit à petit. Et franchement, il y a un potentiel pour cette stack. Et encore, je trouve qu'on parle pas de trucs comme Stimulus ou Svelte. Histoire de rendre la discussion un peu plus complexe encore. Alors, Stimulus, je ne connais pas. Svelte, je connais de nom. Sur Toulouse, il devait y avoir un meet-up. En fait, je suis dans le groupe, je suis bénévole à la FUB Toulouse, mais je fais aussi les meet-up d'une assos côté JS. Et il devait faire un meet-up sur Svelte le 27 octobre ou un truc comme ça. Et bon, vu comment la situation tournait à l'autre boudin, ils ont dit bon, allez, les gars, on laisse tomber, on verra ça plus tard. Donc, ce n'est que partie remise. J'espère avoir ce meet-up sur Svelte un jour ou l'autre. C'était juste pour dire, en fait, tu sais, c'est l'écosystème JavaScript. Hein, c'est des milliards investis par Google au forceps. Et puis derrière, tu clignes des yeux, tu as tout perdu. Il y a trois librairies qui ont changé, elles sont toutes mortes, deux nouvelles sont créées. Et puis, t'es pas au courant, mais c'était celui-là. Tu fais quoi? Mais j'ai composé mon appli la semaine dernière. Bah, c'est fini. Et Svelte, par exemple, ça m'a tellement buzzé. En React 25 ou en React 83. Ouais, voilà, c'est ça. Svelte, ça a tellement buzzé que c'est en train d'être aussi actif sur tous les réseaux de contribution de code aujourd'hui que React. C'est en train de passer devant au niveau des recherches Google. Alors, c'est un truc qui a quelques mois d'existence, quoi, si tu veux. Je sais pas, il devait y avoir des gens qui devaient se dire ah, React, c'est trop chiant, j'en peux plus et tout. Alors, c'est React, ça marche très bien. Je sais pas pourquoi, mais tu as déjà des mecs qui devaient être blasés de ça et qui partent sur autre chose, quoi. Et Next, c'est pareil, ça buzz beaucoup ces temps-ci, quoi. Ouais. Donc, ouais, bah, bon, c'est ça, moi, je ne vois pas la différence entre Next et Nuxt, personnellement, mais. Si, c'est le U et le E qui sont différents. Oui. Moi, je vais te dire, j'ai toujours pas compris pourquoi on fait des SPA personnellement, mais bon, après, il y a des gens qui aiment ça. Donc, ah, l'humour. Du mal. Que, dans la question qui était soulevée tout à l'heure, par exemple, il y a en fait comment on fait quand on est front et machin, etc. D'où vient le métier? Le vrai problème aujourd'hui, c'est que personne n'a jamais appris dans ses formations ce que c'était qu'être un architecte de conception modulaire front-end, en fait. La richesse que tu as sur React, sur Svelte ou d'autres, et que tu as encore plus si tu utilises des générateurs comme Redux, tu vois, dessus, c'est que tu as un truc où vraiment il y a un niveau d'abstraction que tu ne comprends pas forcément. Quoi. Tu dis, mais il faut apprendre à voir une application où tu vois à travers toutes les pages, à travers le style, à travers le rendu, la notion de bloc, de zone, etc. Tu as une idée de ton application, du métier qu'elle a là-dedans, et tu es au-delà du MVC, tu es au-delà des pages web, tu es au-delà du HTTP. Et après, lui, il te dit, mais vaguement, surtout React avec son Virtual DOM, je te crache ça comme étant un site web si tu veux, mais c'est accessoire, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, je m'en fous. Et voilà. Donc ça, je pense, c'est la partie la plus difficile, c'est comment tu conçois des trucs modulaires. Quand tu vois comment il faut tu facebook.com, tu comprends, tu dis j'ai vu l'idée, mais qui vraiment fait un site qui a la complexité modulaire de facebook.com? Donc voilà, dans les bullshit words, le SPA, c'est pas mal. Hein. Bon, au moins, l'avantage, c'est que le SPA, ça nous fait oublier les microservices au niveau des bullshit words, on peut être sur tous les fronts à la fois, quoi. Donc c'est bien, ça nous occupe, quoi. Mais en l'occurrence, des fois, ça sert quand même. Après, il y a un truc qui manque, moi, je trouve cruellement à l'école, c'est l'architecture, software, quoi. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à coder aux gens, mais de toute façon, peu importe le langage, on aura toujours une côté algorithmique qui sera la même, que tu fasses du Python, du C, du PHP. Mais par contre, si tu n'as pas d'architecture software, c'est pas la peine, tu vas juste cracher du code, mais du coup tu feras un truc qui sera pas maintenable, qui sera pas modulable, et ça c'est vraiment très problématique. Moi j'ai travaillé dans une société, la première dans laquelle j'ai bossé à Aubagne, qui s'appelle Neotion. On avait un admin, enfin un architecte software qui était, on l'appelait Dieu, enfin entre collègues,
Il était vraiment énorme, le gars. Il allait chier, il prenait la doc de l'USB 3 et puis il sortait, il l'avait lu, quoi. Et du coup, on arrivait à avoir quelqu'un qui arrivait dans la boîte, où c'était une boîte qui était plus ou moins en train de couler parce que ben, ils avaient eu des petits soucis et autres. Le gars est arrivé, il a complètement tout changé, il a mis une vraie architecture software. Ça a été mais nickel, quoi. Tout a été recomposé et avec des briques. Et chacun avait sa brique. Et en fait, c'était ce que maintenant tu peux voir, ce qu'on appelle du microservice, où chacun a sa brique, chacun a son API et autres. Et en fait, il y avait un peu des concepts comme ça. Et je pense que si tu n'as pas ce genre de concept tôt, tu codes en fait pas efficiemment. Et c'est un peu la problématique, quoi. Mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a du logiciel aujourd'hui qui est piloté. On sort vraiment du débat là. Je ne sais pas si vous voulez aller loin là-dessus, mais on a des logiciels qui est piloté par des très grosses sociétés, des multinationales, qui imposent au reste du monde leur vision parce qu'elles sont pétées de thunes en disant : t'as vu, on en a fait des milliards, donc vous nous suivez, vous faites comme nous. Donc tu as plein de gens qui vont suivre ce qui est fait derrière. Et ce que tu viens de dire à l'instant, moi je te l'illustre, hein, c'est il y a plein de gens qui arrivent chez nous en junior, par exemple, qui veulent très très vite faire du Angular, ils savent pas ce que c'est, mais ils veulent en faire, ils veulent faire du React parce que c'est ça, etc. Je les prends à part deux minutes, je dis, tu sais ce que c'est HTTP, t'as entendu parler? Ils sont incapables d'expliquer ce que c'est HTTP. Ils sont incapables d'expliquer ce que c'est du DNS, ils sont incapables de comprendre comment fonctionne l'Internet. Je dis, t'es web développeur, tu sais pas ce que c'est que le web. Et donc, tu vois, rien que ça, il y a un problème de notion de base dessus qui fait que tu ne comprends pas derrière comment tu veux concevoir une architecture. Donc après, tu mets des composants, tu sais pas à quoi ils servent, t'as pas de recul dessus. Donc, si les composants continuent d'avoir un cycle de vie très court, d'apparaître tous les jours, ben, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Hein, c'est que tu perds les gens et si tu n'as pas du recul pour dire à quel moment c'est pertinent, voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup de projets que les gens changent et que les carrières et tout, je pense qu'il y a du CV-driven development où ils arrivent en disant « je vais essayer de faire ce truc-là » et ils se plantent, quoi, tu vois. Il y a des choses, il y a des enjeux, tu vois. Par exemple, je sais que Mathieu, ça va lui parler, mais moi, l'autre jour, je me suis encore un peu pas pris la tête, mais gentiment, tu vois, avec des gens, je leur ai dit, les mecs, on est en 2020, j'ai toujours pas compris à quoi servait le DDD, le CQRS. Hein. Je leur dis, je vois à quoi ça comprend, mais concrètement, montrez-moi une application, vous l'avez mis en place, quoi. Les mecs te font des démos dessus, et si t'as pas quelqu'un qui s'est vraiment évertué pendant des mois à le mettre en place sur une appli pour l'illustrer, ça sert absolument à rien, et tu rajoutes une complexité cognitive qui est terrible sur les apps. Et pourtant, je suis persuadé que c'est génial. C'est ce que j'écris, je l'ai dit, je le redis, je pense que c'est génial. Mais je pense que vouloir l'imposer comme modèle, si tu veux, ça perd beaucoup de monde, quoi. Et pour revenir à notre sujet, ben, Tailwind, c'est un truc comme ça, c'est quelque chose qui s'est dit de manière pragmatique. Il y a un in-between où on n'est pas obligé d'avoir du CSS entièrement généré en custom, et on n'est pas obligé de se bouffer de bibliothèques de composants qui se ressemblent les unes aux autres, ou surcharger un composant, c'est tellement un cauchemar que personne ne le fait, quoi. Donc, ça correspond à une typologie de projet où il y a du front. Il faut que ça marche. Il faut que quand on clique ce bouton, ça marche bien, qu'il n'y ait pas de bug, de trucs possibles, que ça ne soit pas pété sur un navigateur ou sur un autre. Et en même temps, ce n'est pas un truc où le front va être une valeur ajoutée sur l'appli, où il n'y a pas forcément besoin que ce front-end, si tu veux, soit compétitif, soit concurrentiel et se démarque de la concurrence. Quand tu as des besoins simples, tu prends un framework simple, tu prends un outil simple, ce n'est même pas un framework, Tailwind finalement, tu prends un outil, quoi, un helper simple, et tu t'en sors. Si tu veux faire un truc où tu veux industrialiser tes composants et que tu sais les surcharger, tu prends Bootstrap. Et si tu penses que tu as vraiment du pognon, tu peux tout faire, tu fais tout à la main, quoi. Enfin voilà, c'était pour tout à l'heure la question où la personne se demandait où est-ce qu'on positionne ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Et quand même, il faut dire ce qui est, ça fait gagner vachement de temps quand même. Hein. Ça ne fait pas perdre, vraiment. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, je n'ai pas perdu de temps. Je n'ai pas perdu du tout de temps. J'ai vraiment gagné du temps, quoi. C'est assez dingue. Ce qui est rare sur une techno nouvelle, quand tu arrives, la courbe d'apprentissage, en général, elle est comme ça. Et la doc, elle est tellement bien faite. Il m'a fallu, même moi qui suis vraiment dur et mou, tu vois, il m'a fallu, mais je sais pas, il m'a fallu même pas une demi-journée pour me dire, mais putain, j'ai compris comment ça marche, quoi. Elle est vraiment brillante, la doc est transparente. J'avais une appréhension pour Symfony. Je trouvais un billet de blog où le mec a dit, non, ce premier, c'est simple, parce que l'écosystème JS, j'en suis assez loin, mais je m'en fous. J'ai compris PostCSS, j'ai regardé comment on faisait du SAS avec, j'ai dit, bah, putain, c'est hyper simple, en fait, quoi. Yeah. Et voilà. Il y a deux boîtes, enfin il y a quelques boîtes comme ça qui ont un véritable avantage qui est leur documentation. C'est Stripe. Quand on regarde la document de Stripe, c'est juste un petit bijou. Et c'est vrai que Tailwind, c'est dans la même veine. Pour revenir à ce que tu disais sur le fait de pouvoir développer des trucs rapidement, quand j'ai été contacté justement par Olivier pour dire bah tiens, est-ce que ça t'intéresserait avec Eden de faire quelque chose? On discutait un petit peu donc, de Web2Store et il m'a dit ah non, mais c'est sûr que. Parce que je disais que j'étais content de sortir enfin le produit. Et il me dit ah bah oui, c'est sûr que ça doit faire quand même un sacré bout de temps que vous travaillez dessus. Il me dit ça fait pas deux semaines que vous êtes dessus. Et je lui dis bah si, alors bon, c'est deux semaines du coup, on était vraiment chargés. Mais l'avantage, c'est que vraiment deux semaines, et surtout grâce à Tailwind UI en fait.
où c'était, il y a eu quand même une belle part de travail pré-mâché pour 250 $. Et là, tu te dis, bah, en fait, ouais, en 2 semaines, tu peux quand même faire un truc où tu vends. Tu as une plateforme quand même qui est ultra légère, simple, et qui n'est pas dégueu, où tu as de la partie qui est responsive, quasi nativement. Franchement, je trouve ça assez exceptionnel pour un POC. Quoi. Un POC en 2 semaines. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, un autre truc aussi. Il y a tout à l'heure, Paco, on parlait du JS. Il faut regarder qu'avec les évolutions du CSS et aussi l'adoption massive des navigateurs modernes, aujourd'hui Chrome, Firefox et Safari, sachant que les trois vont utiliser Chromium en base, qu'Edge va utiliser Chromium en base, et tu vois, il va rester que Firefox et Chromium, grosso modo. Donc, c'est-à-dire que l'intercompatibilité navigateur, voilà, donc déjà on gagne du temps. Mais en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui où il n'y a plus besoin de JavaScript pour le faire. Avec du pur CSS, on le fait, ça marche partout, c'est cross-browser, cross-platform, et c'est 99% de l'audience du site qui fonctionne bien dessus. Donc tu te dis, bah les couilles si les gens ils se marchent pas avec ça, quoi. Et c'est beaucoup plus simple à manier que du JavaScript, qui lui aussi, de son côté, devient bien compliqué à écrire le JavaScript. Hein. L'énorme CMA10, là, on va encore en bouffer de la complexité. C'est bien, mais voilà. Donc je pense que là-dessus, c'est pour ça, c'est un bon truc. Moi, j'ai fait un menu burgers avec 0JS. 0JS, j'ai changé une classe, je crois, dessus, sur le clic, c'est tout. Et le reste, c'est Tailwind qui gérait tout. Enfin, voilà. Et perso, moi, j'ai fait un site en 3 jours avec que des classes custom que j'ai faites moi-même sans utiliser de composants matériels, d'ailleurs. Ça se voit, c'est un peu moche, mais au moins, ça fonctionnait. Quoi. Voilà. C'est faisable. Eden, un mot sur ta Rex, non? Eh ben, merci, c'était cool. Je n'ai pas tardé d'y aller, donc voilà, je voudrais vous remercier. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous me trouvez pour des questions supplémentaires ou peu importe. Hein. Enfin, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien parler de ce genre de choses, et que ce soit CSS, JS, n'importe quoi. Hein. Donc voilà, merci encore à vous et bon courage. Merci à toi, beaucoup, Aiden. Merci à toi, c'était super intéressant. Merci. Merci beaucoup, c'était top. Merci beaucoup. Eh bien, très bien. Et puis, merci aussi à Vivien. Ça s'est joué à pas grand-chose au final pour que cette soirée ait lieu. Et c'est un alignement des planètes qui a fait que, du coup, voilà, là, on a trouvé le sujet, on a trouvé l'intervenant, et puis hop, c'était parti. Non, mais c'est vrai que c'est cool qu'on peut passer une bonne soirée sans parler de PHP. Je le couperai au montage. Sinon, tu n'auras pas ta com, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, je réponds rien, Vivien, tant que je n'ai pas été livré de mes bières. Après, je pourrais commencer à te casser la gueule dessus, mais pour l'instant, je veux mes bières. En plus, il y a des mecs qui sont assez chiants pour t'envoyer des retours sur le store par Twitter, quoi, tu vois, c'est assez chiant, ça. Non, on n'en a pas eu, ça. Attends, pour le faire. Je t'ai bombardé l'autre jour quand même, je te rappelle. Ah oui, allez, en DM, ouais. Oui, mais c'était. Ah non, bah, en public, hein, c'est en public, c'est bon, j'ai une notion de branding quand même dans la tête, quoi, tu vois. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour cette soirée. C'était, pour aller manger. Moi, j'ai fini ma bière. Ouais, moi, je vais débaucher. Orgé houblon. Orgé houblon, okay. Là-bas aussi, chez Vivien. Orgé houblon, très bien. Gabar, c'est vraiment un très bon beer shop. Et le mec est beaucoup trop cool. Jérémy est beaucoup trop sympa. Il est au taquet sur ce qu'il fait. Il fait le tour du monde. Il va chercher des bières partout. Et voilà, quoi. C'est bien d'avoir un bar beer geek, enfin, vraiment un vrai truc où... Bah, il y a ceux qui sont en zone nord, mais c'est pas pareil, quoi. Ils sont loin, il faut y aller, tout. Bon, il y a VNB, VNBR, là, qui sont corrects, hein, franchement. Mais déjà, c'est très bruyant, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il faut vraiment aller en zone nord à chaque fois. Là, c'est vraiment centre-ville. Et puis, place Denis Dussou, quoi, il est passé de je bosse tout seul ou à deux avec sa nana, avec 9 personnes, quasiment full time pendant l'été. Moi, je suis passé plusieurs fois l'été, ça a explosé, quoi. C'est son business là. Maintenant qu'il a pris, il a eu la chance d'avoir ce local Denis Dussou, et maintenant qu'il a fini les travaux à l'intérieur, c'est top. Mais le pauvre, il déménage. C'est pour ça que c'est énorme, parce que il déménage et pas en confinement, quoi. C'est ouf, hein. Il ouvre son truc, il avait posé les panneaux, tout, et là, fermeture des bars. Donc, il a pris ça dans les dents, vraiment, quoi. Donc, c'est un bon use case aussi de remise sur les wagons, ce qu'on disait l'autre jour à l'elliptique, tu sais, avec Si et les autres, là, de remise sur les rails en situation de crise où il faut se remettre en question et arriver à digitaliser assez vite, quoi. Donc, voilà. Et c'est un exemple de résilience.
C'est ça, ouais, une vraie success story de résilience, quoi. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire, quoi. Donc voilà. Donc on va suivre ça. Vous pouvez aller sur web2store.fr. J'espère qu'il n'y a pas que moi qui ai commandé pendant la soirée, hein, parce que voilà. Si vous ne pouvez pas prendre comme bière, je peux vous dire quoi prendre, hein, parce qu'il y en a deux ou trois dessus, elles valent leur prix, hein, je peux vous dire. Celle qui se prend planète, c'est un gage de qualité. Hein. Ouais, et il n'est pas cher. Moi, mon seul regret, c'est qu'il va, il faut peut-être en avoir encore, c'est Dieu du ciel, la brasserie canadienne, parce qu'il faut les faire venir en import, c'est un peu cher. C'est des tueries, vraiment. Et puis, il va régulièrement en Angoulême, qui est une des meilleures brasseries qu'on ait à de moins de 200 km, franchement. La brasserie d'Angoulême, elle est incroyable. Vraiment. C'est la débauche. Ouais, la débauche, ouais. Quand tu vas là-bas. Moi, j'ai un pote qui est à Orléans, joli verre. J'ai un pote qui est à Orléans, qui est vegan, fan de bière, un psychopathe. Il fait exprès, quand il va à Limoges, un détour par la débauche. Il a pris des photos. Je sais, il me dit, il ne faut pas que j'ai un accident, quoi. Il met dans le coffre, je pense qu'il met 200 kilos de bière, quoi. Le mec, c'est pas des parpaings de trucs. Les flics disent, oh, vous allez faire des travaux. Non, non, c'est de la bière, quoi. Il dit, faut qu'il calcule le PTAC de son véhicule pour voir s'il est toujours dans les normes. C'est incroyable, quoi. Le mec, j'étais en Andorre. Non, non, j'étais en Guyane, quoi. Et puis le mec, à la débauche, tu vas à l'usine, tu les payes un peu moins cher, les bières, quoi. Donc il prend des caissons comme ça. Mais... Et puis, c'est un truc, ils renouvellent leur bière, beaucoup au niveau branding, mais au niveau goût, quand même aussi, au niveau ce qu'il y a dedans, quasiment tous les mois, quoi. Tu vas acheter des bières, tu es heureux, tu te dis, mais j'en veux d'autres. Il dit, mais c'est fini, on ne la fait plus, on en fait d'autres à la place, quoi. Et ils renouvellent leur stock tout le temps, donc c'est une surprise chaque fois que tu y vas. Tu te dis, bah, je vais vous prendre ça, quoi. Et je me suis pris des claques, la Pimp My IP à 11 degrés, je l'ai bu, j'ai cru que j'allais mourir tellement elle était forte. J'ai dit, mais c'est énorme ce truc, la bière était incroyable, quoi. Vraiment, ils sont super doués, donc voilà. Et ils soutiennent le commerce local, puisqu'ils vendent au moins, je ne dis pas de conneries, 4 bières de Limoges, 3 brasseries de Limoges, 3 brasseries de Limoges. Et puis la brasserie de Marsac. Les pères de Limoges, quoi. Ouais. Il y a des alentours, quoi. Ils vendent la BAM, ils vendent la Dordogne aussi, là. Brasserie corrézienne, brasserie de Dordogne. Enfin voilà, donc il y a plein de trucs locaux qui sont à découvrir parce qu'ils sont vachement bien. La BAM, c'est une tuerie, hein, c'est pareil, ils font des très bons trucs. Hein. La Igor Perry, là. D'ailleurs, j'en profite tant que tu dis de commander. Pour information, Web2Store. 10%. Non, mais Web2Store, c'est uniquement. Ce qui est toujours ça déjà, mais c'est uniquement 3,5% de panier. Il n'y a aucun frais mensuel, rien du tout, tout est gratuit. On est vraiment rémunéré au succès en fait, du coût de la boutique. Et comme je disais, 3,5%, sans compter les frais Stripe qui sont de 1,4 plus 0,25 centimes. Mais in fine, ça fait 5%, ce qui n'est pas grand-chose pour un site où la personne n'a rien à débourser s'il n'y a pas de vente. Quoi. C'est ce que coûte PayPal, exactement. Comment ? Tout à fait. C'est ce que coûte PayPal, 3,4% plus 25 centimes. Ouais. Alors on regarde pour voir, pour mettre PayPal, c'est pas encore fait, mais Stripe, c'est vraiment pas cher pour ça. Quoi. Bon, et ben écoute, bon, je vous laisse. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, c'est vraiment agréable, hein, c'est super. Buonasera. Ah, c'était cool. Et puis je pense que c'est un bon premier essai d'event en ligne pour nous. On peut réitérer ça. La bonne soirée, c'était très intéressant. Et oui, merci Jérémy d'avoir été là. La première fois en ligne, hein, et c'est vrai que c'était sympa. Enfin, pour moi, parce qu'apparemment l'an dernier, ça aurait fonctionné en ligne aussi durant le premier confinement. Mais je n'étais pas là. Voilà. Ah ouais. Là, ouais, c'est bien. Et donc le prochain event sera normalement en janvier. Et sinon, en février. Mais en janvier, oui, on va programmer quelque chose, ça c'est sûr. Aussi. Peut-être avec du PHP cette fois-ci. Peut-être avec du PHP ou un mix PHP et pas que PHP. Ah, ça tease. On verra. Si il y a du PHP, je ne sais pas si Vivien sera là. Si je suis devenu pour un PHP parce qu'il y avait l'apéro après. Ah oui, non, voilà. Souvent quand il y a l'apéro après, voilà. J'arrive pas à l'heure pour la presse, mais bon, à l'heure pour l'apéro. Voilà, c'est ça. Très bien, très important bien. Important le réseau. Ok, et puis lundi, il faut voter pour Web2Store pour la Startup Battle. Exactement. Et attention, un vote par numéro de téléphone, donc choisissez bien le numéro 10. D'accord, ok. Donc, si on a plusieurs numéros de téléphone, on peut tous voter 10 et puis ça comptabilisera plusieurs trucs. Vous pouvez faire ça et puis voter pour plusieurs projets à partir du moment où vous votez pour le premier, pour Web2Store. Pour les autres, ils ne sont pas comptabilisés. Donc. D'accord. Et si je comprends bien, les vidéos ont déjà été enregistrées et ça passera ensuite à partir de lundi, c'est ça ?
On a été enregistré vendredi dernier. Ouais. Ok. Ok, ok. Moi, bon, très bien. C'était un peu YOLO. C'était la première fois que je pitchais Web to Store. J'arrivais pas à préparer quelque chose. Trop l'habitude de 3D, donc c'était. Eh ouais, évidemment. Le projet avec 5 semaines à ce moment-là, donc c'est difficile en mode télétravail où tu as parlé à personne hormis ta femme de Web to Store et de 3 potentiels clients. Donc ouais. Difficile de le pitcher, mais bon. On c'est sûr que là, la méthode du canari, c'est un petit peu compliqué aussi, quoi. Tu prends ton. Voilà, on est à comment dire à situation exceptionnelle, pitch exceptionnel. Parfait, parfait. Ok, ça marche. Bon, bah, très bien. Après, merci à tout le monde de la FUP, hein, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content. Merci à tous.